Je vais vous jouer un thème de Bill Frisell, le grand Bill Frisell, une mélodie qui s'intitule A Strange Meeting. Et je vais, pour cela, utiliser énormément d'éléments que je propose dans la méthode de travail sur les accords progression harmonique. Je viens de vous jouer ce très beau thème Strange Meeting de Bill Frisell. En fait, j'ai beaucoup pu, alors j'ai improvisé, hein, j'ai beaucoup improvisé, bien entendu, après avoir joué la mélodie. Et j'ai donc, et pour jouer la mélodie et pour improviser, j'ai utilisé énormément, je suis allé piocher énormément dans les accords proposés dans ma méthode progression harmonique. Quelques exemples, regardez, le premier accord de ce morceau est un Do mineur 7. Alors, au départ, je le joue, ça fait vraiment partie du son du morceau, je le joue. En fait, je rajoute un Fa dièse. Ça crée un son assez bluesy, assez énigmatique, que j'aime bien, et qui est typique du son de Frisell pour ce thème. Mais une fois que j'ai joué le thème pour improviser avec mes accords, le premier accord étant un Do mineur 7, je vais vraiment venir piocher dans, pour ceux qui connaissent la méthode, dans toute la série d'accords du Do mineur 7 qui fait ça en fait, qui fait. C'est-à-dire que je peux commencer à improviser. Et là, l'autre accord arrive, mais j'ai déjà créé avec ce Do mineur 7, j'ai déjà créé tout un univers mélodique et harmonique. L'accord qui suit, en fait, c'est un Ré 7
C'est un reset altéré en fait. Là, c'est pareil, je vais venir piocher dans les possibilités de jeu qu'offrent les progressions harmoniques pour continuer à improviser sur ce reset. Juste pour exemple, je vous joue les deux premiers accords, le Do mineur 7 suivi du reset, et je m'amuse sur ces deux premiers accords à vous faire voir quelques exemples de jeux d'enchaînements improvisés. Ces enchaînements peuvent servir pour improviser, mais aussi pour accompagner, bien sûr, hein, c'est la même chose. Regardez, sur ces deux accords, vous avez vu, je pars sur le Do mineur 7, je suis toujours sur le Do mineur 7, je passe sur le reset altéré, si je vous redonne un autre exemple, Do mineur 7, je passe sur le reset. Vous avez vu, je connecte tous ces accords. L'accord qui suit, c'est un La bémol majeur 7. Pareil, là, je vais. Venir piocher dans les positions que j'ai sur le La bémol majeur 7. Et si je repars du début, je vais avoir donc Do mineur 7. Ré 7. La bémol majeur 7. La bémol mineur 7 est celui qui suit. Et là, vous avez vu, pour le moment, je m'amuse juste à les décliner un peu de la même façon dont je vous le propose dans la méthode. Et regardez, Do mineur 7. Ré 7. La bémol majeur 7. La bémol mineur 7. Et je reviens sur le Do mineur 7. Je repars au début. Génial, juste avec ça, ça y est, je suis parti, soit pour improviser, soit pour accompagner.